Le billet d'humour d'Audrey Charlot. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique. Et toi, tu pratiques la totem thérapie ? Encore un nouveau mot, une nouvelle expression ou plutôt une nouvelle méthode pour mieux se connecter à soi et à ses émotions. Et vu qu'il n'y a que ça de bon à faire, se connecter à soi, et qu'on a le droit de le faire, alors allons-y à fond. Depuis ton enfance, tu as un animal qui te fascine ou qui te fait rêver. Le tigre, le serpent, le chat ou encore le cheval. Et si vous n'avez pas d'idée, fermez juste les yeux et évadez-vous. Et alors, à ce moment-là, l'animal de vos rêves va apparaître. Nous vivons entourés d'animaux. C'est là que notre animal totem entre en scène comme lors des cérémonies chamanes en se connectant à ses caractéristiques. À travers cet animal, c'est notre animal intérieur que nous appréhendons. Profond, hein ? Dans la vie, on porte tous un masque social. En plus de celui anti-Covid en ce moment, ça fait double masque. Prenons conscience de qui nous sommes en tombant le masque social et en se reconnectant à notre ombre. Très belle semaine à tous. La chronique de Charlot, à retrouver en podcast sur itswanradio.com.